Salut tout le monde, c'est Testerflou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une super bacon comme ceci. Donc ça, c'est le viseur, ça, le manche pour tenir et ça, l'embout pour souffler. Alors pour ceci, il vous faudra d'un tube, soit comme vous voulez, en métal, en plastique. Donc là, il est en plastique celui-là. Un tube de PVC, moi ça c'est un tube de PVC. Des ciseaux, du scotch, du gros scotch si possible. Un petit bout de bois. Donc au mieux un petit. Hein. Et du fil de fer. Et bien sûr, à la fin, il faudra vos flèches. Donc pour commencer, vous allez prendre le petit bout de bois et le scotch. L'avant, on met le scotch comme ça et le bout de bois. Le bout de bois, vous allez le mettre là. Voilà, donc ça vous fait ça, et après vous allez enrouler vos. Voilà. Et voilà, là je pense que c'est bon. Là vous avez un truc qui tient bien. Voilà, maintenant la gueule du truc. Donc là le trou je vais le mettre un peu plus rond. Celui-là il est assez grand. Voilà, après donc voilà, je vais le tenir comme ça. Après vous prenez votre fil de fer, un scotch et vos ciseaux. Donc vous allez prendre un peu de fil de fer pour le début. Déjà. Donc, vous en prenez pas beaucoup. Hein. Le fil de fer avec le ciseau. Voilà. Vous allez prendre votre tube, vous allez faire un petit tour comme ça. Ah si, en fait, il faut en prendre assez. Non. On n'a pas pris assez, donc désolé, faut en prendre assez. On va en prendre pas mal. Voilà. Vous allez entourer un peu le truc. Il n'y a pas besoin de beaucoup de tours. Là, il y a pas. En fait, un rond. Comme ceci. Donc voilà, ça vous donne ça. Et après, vous prenez votre scotch. Peut-être que ça tient mieux.
enroulé. C'est quoi du merde? Voilà ce que ça vous fait. Une belle gueule. Donc après, une fois de ce que ça vous fait, c'est très simple à faire. Vous prenez un clou avec des pochettes en plastique. Vous scotchez la pochette en plastique et ça vous fait ça. Après, vous le mettez dedans. Comme ceci. Vous soufflez. Et voilà, vous avez un projet qui est parti là-bas. Regardez. Maintenant, passons au test. Après, vous pouvez le faire en faire de plus en plus puissant. Plus c'est grand, plus ça a de la puissance. Plus vos pièces sont grosses, plus ça a de la puissance. Attention. Voilà. Donc, vous voyez, ça se passe bien. Un beau truc quand même. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà mon carte qui est toujours en construction, donc elle est à collab. Donc à plus.